Dieu vous bénisse. Soyez là, ça nous qu'à partager parole à bon Dieu. Nous qu'à écouter un reggae que moi fait rapidement. Moi pas chanteur, moi auteur, compositeur et arrangeur. Oui. Encore composé, encore arrangé, mais je suis pas chanteur. Mais quand je compose, parfois je chante. Et parfois, encore est méchant là et encore fait écouter les autres. C'est du provisoire. Ma femme va chanter ce chant. Et après, nous allons écouter l'évangéliste beaucoup qui nous conseille. Et après, vous allez écouter une exhortation que je vais vous donner sur les paroles qui sortent de nos bouches. Que bon Dieu bénisse autres. À bientôt. Ce que je crains, voilà ce qui m'arrive. Jésus-Christ dit, ne crains point, crois seulement. La peur, c'est le contraire de la foi. Crois seulement, ne crains point, fortifie-toi, chrétien, et tu vivras la victoire. Non, 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 l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien, l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien. Je ne crains de rien. Je ne crains de rien. Un pont, je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Sa houlette et son bâton, voilà mon réconfort. Je ne crains de rien, car il veille sur moi. Non, 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 je ne crains de rien. Non, 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 l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien, l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien. Toute arme forgée contre moi sera brisée, je le sais. Ils viendront contre moi par un seul chemin. Ils fuiront par mille chemins. 10 000 tomberont à ma droite, 1000 à ma gauche. Je ne serai jamais atteint. La victoire est avec moi. Non, 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 l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien. L'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1, verset 19. N'étais-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Fortifie-toi, je serai avec toi, comme je dis avec moi. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Fortifie-toi, et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Fortifie-toi, et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Tout lieu que foulera la plante et toi couiller, je vous le donne. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Bonjour, chers amis téléspectateurs. En cas d'isote, ça va être une grande joie que nous qu'à partager parole à bon Dieu. Mais avant de commencer, partager parole là, en vle par les autres des émissions à nous que nous qu'à fait, notre mission que nous faisons avec Showroom, avec Jean-François. Et c'est qu'en vle expliquer aux autres une chose qui est très importante. C'est pas d'abord une émission religieuse, Faut nous accepter que il n'y a pas que la religion. Il y a le travail, il y a la vie, il y a la famille. Et c'est important que
nous puissions débattre de tous les problèmes de la vie. Et lorsque je suis avec Jean-François, en cas essayé, par la sagesse que Dieu m'a donnée, d'éclairer les gens à propos de la vie. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre génération, surtout nous les Afros, parce que je parle beaucoup aux Afros, parce que c'était les Antilles. Elle est là, c'est pour Antillais, en majorité. La plupart d'auditeurs sont des Antilles. C'est pour cela, là où nous qu'à débattre de la société antillaise. Il ne faut pas que, lorsque Jean-François me pose des questions sur les Antilles, que autres cas pensent que nous sommes acharnés sur les Antilles. Ce n'est pas un acharnement. D'abord, moi, je réponds aux questions. Je réponds aux questions qu'on me pose. Et c'est pas moi qui choisis les questions. C'est Jean-François qui pose ces questions. Et à quoi trouver normal qu'il pose des questions sur les Antilles, parce que c'était les Antilles. Voyez? Et puis, à quoi penser que c'est une faveur que vous avez d'avoir une télévision antillaise? Et nous qu'à essayer de faire évoluer société à nous. Nous essayons de faire évoluer la société antillaise. Voilà un des problèmes qui est grave de la société antillaise. Hein. Un des problèmes, quelques problèmes qui sont vraiment épineux dans la communauté antillaise. Pour peuple à nous, la première chose, c'est l'attitude de père. Eux-mêmes savent le nombre de familles monoparentales que nous avons aux Antilles. Eux-mêmes savent qu'un paca exagéré, le nombre de pères qui ne s'occupent pas de leurs enfants. L'homme antillais, dans la globalité, on dit bien l'exception fait la règle. L'homme entier, dans la globalité, ne s'occupe pas des enfants. Alors, nous, là, pour conscientiser tous les hommes, pour dire, bougamouin, faut nous changer ça. Faut nous prendre soin des Timounanou. Faut nous financer études, éducation à Timounanou. Est-ce que c'est un crime de dire ça? Ou bien, faut nous continuer toujours avec un orgueil, une fierté mal placée, et nier un problème qui est là. Imaginez-vous quelqu'un qui a un cancer et qui nie qu'il a un cancer. Eh bien, il va vivre les conséquences. Plutôt, tu soignes ton cancer, mieux c'est. Deuxième problème récurrent que nous nions aux Antilles, c'est problème de comme nous l'a dit, de dépeuplement. Une politique de dépeuplement que moi j'ai dénoncée. Nous constatons, comme nos élus, que les Antilles sont de plus en plus dépeuplées. Timounanou a quitté les Antilles, en l'Omounla, yo en métropole, c'est pas seulement par plaisir. Yola, parce que tu es venu chercher du travail. Une bonne majorité. Et une bonne partie sont déplacés d'une manière insidieuse. Comme Yoka dit Staline, comme les Européens, ils aiment trop critiquer la Russie, mais ils sont pas mieux. Ah, Staline était cruel, il déplaçait des populations. Mais la France, de peuple les Antilles, mais d'une manière insidieuse. Un Antillais veut être agent de police ou fonctionnaire. Qu'est-ce que vous faites? Il doit faire une formation en métropole. Et bien sûr, il n'y a pas de formation. Il fait pas ça aux Antilles. D'abord, c'est vicieux. Il vient faire une formation en métropole. Une fois qu'il fait sa formation en métropole, on ne lui donne pas le choix. On l'oblige de travailler
en métropole. Donc, il est obligé de quitter pays Haï, de quitter papa Haï, de quitter famille Haï, de quitter casa papa Haï, et de s'installer en métropole. Et lorsque le petit jeune homme veut retourner dans son pays, il fait une demande, le cas dit, je suis pas habitué avec les foires. Culturellement, la France n'est pas les Antilles. Hein. Je peux dire ça, vous voulez. Ah là, les Antilles, c'est la France, mais culturellement, il y a l'autre différence. Alors, tu veux rentrer dans ton pays, on te dit, mais non, il faut attendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens en métropole qui ont fait leur demande. Ils sont pas des Antilles, mais ils ont envie de goûter au soleil. Ils ont envie d'avoir 20% plus de salaire, vie chère. Ils veulent être au soleil, bénéficier de l'été toute l'année. Alors, vous prenez les enfants du pays qui retournent pour de besoins humanitaires, besoins humanitaires, humains même, j'ai dit humains. Il veut retrouver sa famille, il veut retrouver son pays. Combien de nos parents aux Antilles, ils ont de grandes maisons, 5 chambres vides. Hein? Des parents qui sont mamies, qui sont fatigués et qui auraient voulu être avec leurs enfants. Ils ont de grosses villas, 5, 7 chambres libres. Alors, Timounla, ici, il doit payer un studio 700 euros, 1000 euros, gaspiller son argent quand, dans son pays, papa et maman, ils n'ont maison. Et on te met dans une liste, tu es 10e, tu es 12e, dans une liste où il y a... Et je trouve que politique, il faut que ça change, parce que même nos élites constatent que les Antilles, c'est des peuples de plus en plus. Et c'est une politique de la métropole. Voyez, il faut nous arrêter politique là. Voilà, c'est un sujet à débattre. Et troisièmement, le manque aussi d'éducation sexuelle. Des traditions, le père ne parle pas sexualité à son fils et la mère ne parle pas sexualité à sa fille. Et c'est ce qui fait que les hommes s'éduquent eux-mêmes. Et bien sûr, certains pasteurs trop religieux n'abordent pas le sujet. Bien sûr, c'est un sujet tabou. Et nous qu'à constater que Jeunesse Sano a dérapé dans tous les sens. Et c'est pour cela, Yoka Vray, moi et Jean-François, nous posons ces questions. Parce que nous qu'à chercher simplement à faire évoluer la société antillaise. Oui. Alors, pas réfléchi comme un abruti pour dire, mais pourquoi il n'est pas qu'à parler de l'Afrique? Je suis pas sur Télé Afrique, moi. Et pourquoi il n'est pas qu'à parler de ceci? Là, par exemple, je suis dans mon émission. Je peux aborder les thèmes que je désire. Mais quand je suis un invité, je réponds à la question de la personne qui m'invite. Et en cas trouvé normal que Jean-François puisse poser des questions par rapport à l'homme antillais et la société antillaise, parce que c'est pays Haï, et il veut, c'est auditeur Haï, c'est télé anti-bougamouin. Alors il faut un peu réfléchir. Il y a beaucoup. Et troisième problème encore plus sérieux, donc troisième ou quatrième, je ne sais pas, mais le problème de chlordécone. Le taux de cancer de prostate est le plus élevé au monde aux Antilles. Le plus élevé au monde, de loin. Donc, on n'a pas besoin de prouver scientifiquement que cette population est contaminée. Avec d'autres conséquences, des cas de débilité très élevés, des gens qui sentent des choses qui n'existent pas, qui voient des choses qui n'existent pas. Parce que c'est cette contamination, ça rentre dans les sangs et les sangs va jusqu'au cerveau. C'est un crime. Pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Je dis bien, c'est un crime de la métropole. Et cela doit être puni et dédommagé.
Ça, c'est opinion à moi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Henri Durumel et Jean-Claude Durumel, Famila, deux avocats là qui se battent pour le monde, pour le pays. La population ne suit pas. La population ne suit pas. On ne manifeste pas, on ne fait rien, on est assis et on laisse deux personnes isolées se battre pour nous. Qu'est-ce qu'on peut dire? À poser aux questions, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut dire? Et les deux personnes, enfants du pays, qui se battent, qui nous défendent, ils n'ont aucun soutien. Mais si tous les Antillais de la métropole, on faisait une marche, on bloquait le Parlement, on manifestait à Pédiou. Les médias vont en parler, le problème sera pris plus au sérieux comme qu'actuellement, quoi. Et puis, cinquième point, en Cadiz, c'est le prix de billet métropole Guadeloupe. Le prix de billet métropole Guadeloupe qui est extrêmement cher. Quand on dit l'égalité, et l'égalité, la continuité territoriale, normalement, il devait avoir un service de l'État, une compagnie de l'État, une compagnie sans, comme on dit, loi 1901, hein, une association loi 1901 qui a des avions, qui ne fait aucun bénéfice et qui donne des prix justes pour permettre aux outre-marins de venir en métropole comme étant que français, mais pas étant que touriste. C'est pas normal que l'outre-marin qui veut venir ou pour études, pour autre chose en métropole, puisse payer le même prix que le métropolitain qui va faire du tourisme. Le métropolitain va faire que le tourisme. Il faut une compagnie low-cost étatique, créer une structure loi 1901 que l'État finance. Nous ne pourrons avoir des billets à 100 euros, à 200 euros. Vous voyez? C'est cinq points-là qui a dans quai à moins. Si nos politiques ne soulèvent pas ce problème, moi, je poserai ma candidature à la députation. Je vous l'ai dit. Bien sûr, je vous avoue, dans mon pays d'origine, je suis français, d'origine congolaise. Dans mon pays d'origine, il y a vraiment plus à faire. Et je pense que cette année qui démarre, ou l'année prochaine, ou plus tard, je m'organise pour aller changer mon pays d'origine. Je suis français, mais j'ai mon cœur dans mon pays d'origine. C'est un pays qui est très riche, qui a plus de moyens, et il y a beaucoup à faire. Mais je souhaite vraiment que des députés antillais, ou peuple antillais, par exemple, Elie Domota, c'est vraiment un... Si Elie Domota pose sa candidature, moi, je le vote tout de suite. Je vous l'ai dit, je le vote tout de suite. Je vais militer pour lui. Henri Durumel, voilà un maire, un Antillais vrai. Un Antillais vrai que vous devez respecter. Des gens vraiment qui se battent pour la cause antillaise. Je souhaite vraiment que les députés antillais puissent prendre ce flambeau, c'est pas travail à moi, parce que moi-même, encore aimé les Antilles, Timona moi né aux Antilles, mais j'ai un lot boulot à faire dans mon pays d'origine, le Congo. Il y a énorme à faire. Et je compte créer mon parti politique au Congo et puis viser la présidence. Voilà mon projet. Alors, on a parlé sur télé, on a dit, eh, paya ou, kayo café, mais il n'y a pas connaître projet à moi. Nous n'y a l'autre travail à faire. Que Dieu bénisse les Antilles, que Dieu bénisse la Guadeloupe, que Dieu bénisse la Martinique, que Dieu bénisse la Guyane, que Dieu bénisse les Antilles françaises, que Dieu bénisse la Réunion, que Dieu bénisse la Réunion, et on a souhaité
que les choses changent. Aimons-nous, corrigeons-nous, acceptons la critique positive et nous peut arriver. Bon Dieu bénisse autres. Alors, nous allons écouter quelques chants que moi fait, que moi composé. Et bon Dieu bénisse autres, nous allons continuer. À bientôt. Alors, moi content là de pouvoir, comme d'habitude, continuer l'émission là. Et nous allons écouter Marie-Claude Boucaud, l'évangéliste Marie-Claude Boucaud, qui cabane nous une petite exhortation. En quoi que exhortation là, qu'a fait zot du bien. Suivez la sœur Boucaud. Parce que nous sommes que des pèlerins, nous sommes en vacation et nous devions nous mettre ça dans la tête. Alléluia, je suis vacataire sur la terre et je dois travailler selon ce que l'Esprit de Dieu me dit, me conduit. Alléluia, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, il nous conduit en toutes choses, il nous conduit dans toute la vérité. Ce matin, mes chers bien-aimés, alléluia, selon le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, à partir du verset 1, je vais vous lire ce récit qui nous permettra aussi de réfléchir sur nous-mêmes parce que nous ne sommes utiles à rien. Alléluia, nous devions nous glorifier parce qu'aujourd'hui nous sommes là, ce matin je suis là, peut-être plus tard je ne le serai pas. Personne ne sait comment finira sa journée. Personne ne sait comment finira ses jours sur la terre. Je vais vous lire dans Ecclésiaste au chapitre 3 qui dit « Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Parce que quand nous plantons, nous récoltons les fruits de ce que nous avons planté. Aujourd'hui, je suis dans le jardin de ma sœur. Elle a planté des fleurs, elle a planté des boutures et elle récolte les boutures. Et là, c'est la raison pour laquelle je peux vous faire jouir de cette belle photo. Alléluia. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Alléluia. Un temps pour tuer. Tuer le vieil homme en nous, ce qui n'est pas bon, nous en débarrasser. Un temps pour abattre. Alléluia. Abattre qui veut dire lier, chasser tous les mauvais démons qui nous poussent à faire le mal alors que en nous-mêmes, nous devions être rempli de bonté, rempli des fruits de l'esprit et un temps pour bâtir. Bâtir, quand nous nous sommes débarrassés de tout cela, eh bien nous bâtissons ensemble, nous bâtissons avec les autres, nous bâtissons pour l'unité. Alléluia. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Oui, cela nous arrive de pleurer quand nous recevons une mauvaise nouvelle. Quand nous recevons la nouvelle d'un décès subit d'un être cher, ou il y a eu un accident d'un enfant, alléluia, nous pouvons pleurer pour plein de choses. Mais nous pouvons aussi pleurer de joie, puisqu'il dit qu'il a un temps pour rire. Nous pouvons pleurer de joie, mes chers bien-aimés. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Oui, oui, nous nous lamentons. Parce que quand les choses ne vont pas, nous écoutons tous les bruits, alléluia. Nous ne restons pas dans le calme, alléluia. Et c'est dans le calme que nous devions être pour voir la gloire de Dieu. Nous nous lamentons, alléluia. Nous n'avons pas de repos. Mais il dit un temps pour se lamenter, mais aussi un temps pour danser. À travers les épreuves, nous ne devions pas tout le temps être sous... être dans la tristesse. À travers les épreuves, nous devons glorifier Dieu et dire merci, merci Seigneur, merci pour cette épreuve, alléluia. Et vous verrez que Dieu prendra tout à charge.
Dieu prendra tout à charge. Il nous dit un temps pour lancer des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Alléluia. Les pierres, c'est la parole. Ramasser, c'est récolter ce que nous avons cueilli. Alléluia. Quand nous, un temps aussi pour ramasser des pierres, pour lancer des pierres, qui veut dire aussi un temps où nous devions prophétiser sur nos vies, prophétiser sur le pays, prophétiser sur la vie de nos proches. Et quand nous ramassons, ça veut dire que Dieu nous fait grâce et nous donne réponse à tout. Alléluia. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Nous avons eu la preuve vivante avec COVID. Nous avions l'habitude de nous embrasser, de nous enlacer. Alléluia. Que l'on soit bien ou pas bien avec la personne, mais peut-être qu'on le faisait pas en forme. Mais COVID nous a donné une bonne leçon où personne ne s'embrassait et personne ne s'embrasse toujours. On est en train de checker, alléluia, parce que le plus souvent, il y a des embrassements de Judas, alléluia, et là, ça nous a permis de réfléchir, de revenir à nous-mêmes, de méditer, à savoir maintenant, quand nous embrassons quelqu'un, pourquoi nous l'embrassons, comment nous l'embrassons et à quoi ça va amener les deux. Alléluia. Puisque le plus souvent, nous le faisons et nous ne sommes pas unis de cœur et d'esprit. Un temps pour s'éloigner des embrassements, comme je dis, cela est biblique, hein, s'éloigner des embrassements. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de vous embrasser, même sans COVID, qui n'ont pas envie. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est le temps qui est arrivé. Il y a un temps de séparation pour chaque chose. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Alléluia. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Alléluia. Nous ne devons pas conserver toujours les mêmes détritus, les mêmes personnes qui ne nous rapporte rien dans la vie, hein, qui nous enfonce, qui nous tire vers le bas. Il y a un temps aussi que nous devions savoir faire un tri. Et ce n'est pas nous qui faisons le tri, mais si nous sommes en harmonie avec le Saint-Esprit, il fait lui-même le tri pour nous. Alléluia. Il fait lui-même le tri. Les gens qui ne sont pas en harmonie avec vous. Alléluia. Si votre cœur est sincère, vous donnez complètement au Seigneur, vous voulez travailler pour le Seigneur, eh bien, il va écarter tout ce monde de votre chemin. Alléluia. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Le voile a été déchiré à la croix pour chacun de nous. Alléluia. Le voile a été déchiré. Nous devons déchirer aussi les papiers des engagements que nous avons pris avec certaines personnes. Alléluia, qui ne tiennent pas à ces engagements. Nous voulons prier avec certaines personnes, mais ils n'ont pas envie. Nous avons fait un engagement, ils n'ont pas envie. Eh bien, nous déchirons ce papier et nous prenons un papier neuf. Alléluia, un temps pour se taire et un temps pour parler. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ma vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ma vie à chaque heure coule comme un torrent. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour aimer, il faut être deux pour aimer. Un temps pour haïr, mais c'est haïr le péché. Haïr le péché. Alléluia. Et un temps pour la guerre. Il va y avoir
toujours des guerres. Alléluia. Mais nous devions savoir ne pas rentrer dedans. Et un temps pour la paix. Alléluia. Parce que Dieu, nous, il a dit qu'il va y avoir des guerres. Mais ce n'est pas, il ne donne pas la paix seulement quand il y a les guerres. Mais il donne la paix aussi autrement. Alléluia. Autrement, mes chers bien-aimés. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Il y a beaucoup d'avantages. Hein? Alléluia. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Mais même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, alléluia, l'œuvre que Dieu a faite au commencement jusqu'à la fin, effectivement, nous ne pouvons pas saisir, nous n'arrivons pas à saisir l'œuvre que Dieu a faite. Et c'est jusqu'à la fin, alléluia. Au verset 12, il dit, « J'ai reconnu qu'il y a plus de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien » net pendant leur vie, alléluia, plus de bonheur à se réjouir pour eux qu'à donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange, alléluia, si un homme mange et boit, jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là le don, c'est là un don de Dieu, alléluia, c'est là un don de Dieu que tu puisses jouir du bonheur, bien-aimé. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Il n'y a rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Alléluia. Nous devons craindre Dieu. Il n'y a que lui seul que nous devons craindre, pas un homme. Nous respectons les hommes. Alléluia. Nous devons craindre Dieu et respecter aussi ses préceptes. Ce qui a déjà été et qui sera, a déjà été. Et Dieu même, ce qui est passé, alléluia, le passé est passé. Ne reviens pas sur ton passé qui te fait mal, non, qui t'empêche d'avancer. Laissez le passé derrière soi. Et il nous dit, j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a des méchancetés. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a des méchancetés. Oui, bien-aimés, nous allons rencontrer les méchancetés. Mais nous devions passer outre parce que nous en sommes avertis. Et Paul dit, j'ai dit dans mon cœur, Dieu jugera le juste et les méchants car il y aura un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Ne vous en faites pas, le temps du jugement arrivera. Dieu jugera tout le monde. Nous allons tous y passer. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont pas des bêtes. Alléluia. Eux-mêmes verront qu'ils ne sont pas des bêtes. Alors que nous nous conduisons comme des animaux, moi, les animaux ont beaucoup d'amour entre eux. Alléluia. Ils ont beaucoup d'amour. Regardez quand vous regardez des planètes, les films où on passe des animaux, comment ils s'aiment, comment vraiment ils ont de l'amour, ils se soutiennent. Alléluia. Ils sont solidaires. J'ai dit en mon cœur au sujet de fils de l'homme que Dieu les éprouvait et quand même, qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont pas des bêtes. Car le somme du fils de l'homme, le sort du fils de l'homme et de celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Et ils ont tous un même souffle. Alléluia. La bête meurt, toi aussi tu meurs. Alléluia. C'est le même sort qui nous arrive. Son cadavre est appelé à incommoder tout le monde. Ton cadavre est appelé à incommoder tout le monde. Il faut le soustraire de la terre. Il faut brûler ou enterrer. Alléluia. Ils ont tous le même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut? Et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut? Et si le souffle de la bête descend en bas de la terre?
J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car il fera jouir ce qui sera après lui. Alléluia. Il fera jouir ce qui sera après lui parce qu'il laissera un témoignage. Et au travers de ce témoignage que l'apôtre Paul a laissé, eh bien, cela me permet aussi de jouir de son témoignage et de laisser un témoignage derrière moi, de laisser une signature derrière moi. Et que ce ne soit pas le diable qui doit écrire mon histoire, mais c'est moi qui dois écrire mon histoire. C'est toi qui dois écrire ton histoire. Alléluia. Parce que là-haut, le Tout-Puissant, il nous prépare à chaque une place. Mais il faudrait aussi que nous ayons un beau témoignage depuis la terre, puisqu'il nous a promis une couronne glorieuse que nous ne devons pas perdre. Et voilà, c'est ce message que je voudrais faire passer comme parole d'encouragement ce matin pour encourager tous les bien-aimés qui vivent dans le doute, hein, qui réfléchissent beaucoup, qui ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre, qui ne font pas attention aux paroles, alléluia. Mais je préfère vous faire cette vidéo, d'accord, afin que Dieu puisse vous bénir, vous instruire, vous informer, que vous le Saint-Esprit vous corrige, le Saint-Esprit vous guérisse, alléluia, et que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu de la puissance de nos paroles. Ça fait pas longtemps que nous avons partagé ce thème-là. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez prendre conscience que les paroles qui sortent de votre bouche ont une grande puissance. Et les paroles que vous prononcez peuvent impacter votre présent positivement comme négativement. Et si nos cas dit que pour avoir de l'électricité, il faut un fil électrique. Comme nous savons tous, en physique, les métaux sont des conducteurs de fils, conducteurs d'électricité. Ça, c'est dans les lois de la physique. Mais dans les lois spirituelles, les paroles sont des conducteurs d'énergie ou de vie. C'est pour cela, la Bible dit dans Proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sayoka dit, ni influence pour ton futur. C'est la raison pour laquelle vous devez faire attention à tout ce que vous dites. Et c'est la raison même pour laquelle il faut pas donner à vos enfants n'importe quel nom. Dieu a changé le nom de Abraham en Abraham, ce qui signifie père d'une grande descendance. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Jacob signifiait voleur. Il l'a transformé en Israël. Voyez, même les noms que vous donnez à vos enfants sont importants. Il y a des parents qui donnent à leurs enfants des noms affreux, des noms des divinités, des démons, des noms des ratons, des noms vraiment horribles. Les paroles, même les prénoms et les noms que vous donnez à vos enfants, vous devez connaître leur sens. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. D'ailleurs, Jésus va confirmer cela en disant,
par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Faites attention à ce que vous dites. Si vous confessez la réussite, vous la créez. Comme je dis à quelqu'un, votre futur n'est pas dans les cieux. Dans l'Ancien Testament peut-être, mais votre futur est dans votre bouche. Parce que Jésus a pris la victoire à la croix, il l'a mis en toi. Jésus a remporté la victoire à la croix, il a mis cela en toi. Dieu a pris ta destinée et l'a mis dans ta bouche. Voyez, quand tu confesses la parole de Dieu, la destinée que Dieu a prévue pour toi va se réaliser. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit dans la Bible que le faible dise « je suis fort », que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Peu importe la manière dont vous priez, peu importe votre piété, peu importe vos sacrifices, ce que vous dites, ce que vous déclarez, vous finirez par vivre cela. Nous voyons, il n'y a pas longtemps, nous avons étudié, nous avons parlé du miracle d'Élisée. Il y avait une veuve qui était dans la pauvreté et qui avait une dette. Nous avions vu que Élisée a dit à la dame d'aller demander des vases vides en grand nombre. Ça veut dire que Dieu est généreux. Dieu veut que vous ayez beaucoup d'argent, que vous ayez beaucoup de joie, que vous ayez beaucoup de paix. Et Dieu veut cela pour vous. Et Dieu va dire à la veuve de prendre des vases vides en grand nombre. Dieu en a pris en grand nombre. Et la veuve en a pris en grand nombre. Elle est rentrée dans sa maison, elle a fermé la porte et elle a commencé à déverser l'huile, le peu d'huile qu'elle avait dans une vase, dans des vases vides. Et le miracle a commencé à se produire. Les vases étaient tous remplis les uns après les autres. Mais quand l'enfant a dit à la maman, il n'y a plus de vases, le miracle s'est arrêté. Voyez, lorsque l'enfant a dit une parole négative, il n'y a plus de vases. Voyez, la parole de Dieu dit, c'est seulement quand l'enfant a dit. Vous savez, quand vous dites « je ne suis plus capable », quand vous dites « j'y arriverai pas », quand vous dites « je réussirai pas », quand vous confessez « dans notre famille, ça ne marche jamais », dans notre famille, les femmes sont toutes stériles, dans notre famille, toutes les femmes divorcent, ne déclarez pas de telles paroles négatives. Il faut les briser. Vous savez, parfois, il y a des gens qui bloquent leur vie avec leur propre bouche. Ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. Parfois, ta vie n'est pas bloquée. Ce n'est pas parce que tu as du mal à trouver du travail que ta vie est obligatoirement bloquée. Ce n'est pas parce que tu as du mal, à te marier que ton mariage est bloqué. C'est possible, certains ont leur vie bloquée, d'autres ont leur mariage bloqué, mais vous ne devez pas confesser cela sans avoir une révélation et une certitude. Comment tu sais que ta vie est bloquée? Il n'y a pas longtemps, j'étais allé avec une chrétienne, deux chrétiennes, acheter du poulet chez KFC. Et on a vu la photo du colonel Sander. Et je leur ai dit à ce jeune chrétien, mais vous savez, ce monsieur-là a envoyé plus de 1000 courriers pour essayer de vendre sa recette. Et il n'a reçu que des réponses négatives.
Mais il n'a pas dit que sa vie était bloquée. Il n'en a pas fait une fatalité. Il s'est dit, si les gens ne veulent pas de ma recette, je crois dans ma recette et je vais faire mon restaurant. Voyez, parfois, les gens qui nous ferment des portes nous rendent un grand service. Et c'est pareil que le PDG de Alibaba. Ce monsieur a posé une candidature au KFC. Il était le seul à n'avoir pas été embauché. Il a voulu aller étudier à Harvard, aux États-Unis. Trois fois, il a postulé, on l'a refusé. Il va déposer une candidature pour un travail. Ils sont quatre, on prend trois les autres, les trois autres, lui, on ne les prend pas. Comme on dit souvent, j'ai la poisse. Hein, avoir la poisse, ou parfois, nous qu'a dit, mais c'est ni malchance. Et le monsieur s'est dit, bon, comme personne ne veut de moi, comme ça ne marche pas, je vais créer mon affaire à moi. Il s'est dit, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Créer une entreprise, ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup, c'est beaucoup compliqué. Je vais créer quelque chose sur Internet. Qu'est-ce que je peux créer? Il a créé Alibaba. Aujourd'hui, il a plus de 28 milliards. Cela, c'est le 21e fortune du monde. Il a plus de 28 milliards de dollars. Voyez, apprenez à surfer. Ne confessez pas, je n'ai pas de chance, ma vie est bloquée, je ne réussirai pas. Ne confessez pas les choses négatives. Surfez sur les vagues de ce monde. Voyez, si le vent souffle très fort sur votre barque, mettez des voiles et exploitez la puissance de ce vent qui peut être destructeur pour vous amener de l'avant. Vous savez, les bateaux, les voiliers avancent avec la puissance du vent. Le même vent qui crée des problèmes, le même vent qui fait échouer certaines barques. Mais ce même vent, on peut l'exploiter pour avancer. Ce même vent, on peut l'exploiter avec les éoliennes pour créer de l'électricité. La même eau qui inonde, qui détruit, qui tue. Mais la même eau, si on la canalise bien, on fait un barrage électrique et on tire du bien. Comment qu'a dit, si les gens te jettent des pierres, ramasse ces pierres, construis avec un château. Ne te plains pas. Ne leur lance pas de pierres. Si on te lance des pierres, prends ces pierres-là, fais avec un château. Voyez, acceptez la vie telle qu'elle va, mais ne confessez pas les paroles négatives. Et il y a certains événements qui sont négatifs, qui sont mauvais, mais que Dieu peut transformer pour vous faire avancer. Voyez, comme je dis, le frère de Joseph, en envoyant Joseph, en les vendant comme esclaves, ils l'ont fait voyager vers l'Égypte, où était sa destinée, là où Dieu le voulait, et là où il a prospéré. Goliath, en défiant Israël, il a rendu David célèbre. David a été connu grâce à Goliath. Comme j'ai toujours dit, des fois, certains de nos ennemis sont utiles. Bougamouin Akadiusa, oui. Certains de nos ennemis sont utiles, mais c'est pas la raison pour laquelle il faut chercher des ennemis. Hein. On n'a pas dit qu'il faut nous chercher des ennemis. Villa, c'est compliqué comme ça. Ah, pas Dieu, faut nous chercher ennemis. Mais remerciez Dieu. Le plus important, il faut que vous soyez de ceux qui craignent l'Éternel, parce que la parole de Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voyez, un jour je lisais le livre de Genèse, le Saint-Esprit a commencé à me parler
et je constatais que Dieu ne s'est jamais plaint de ténèbres. Et Dieu ne s'est jamais plaint de ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et pourtant, les ténèbres étaient partout. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu n'a pas dit le ténèbre que, voyez, il faut que dans votre bouche ne puisse sortir que des bonnes paroles. Des paroles de bénédiction, des paroles d'édification, des paroles d'encouragement, des paroles de joie, des paroles de paix, des paroles positives, des paroles percutantes. Et surtout, soyez économe en parole, ne soyez pas trop bavard. Ne soyez pas de ces gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui sont dans tous les débats, qui sont partout. Il n'y a qu'à parler partout. Il n'y a qu'à mettre du sel et du piment dans toutes les sauces, même dans les sauces qui t'appartiennent pas, même dans les sauces que tu connaisses pas, non. Tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu comprennes que les paroles qui sortent de ta bouche sont puissantes. Que par tes paroles, tu peux bloquer ta vie et que par tes paroles, tu peux libérer ta vie. Et surtout quand vous êtes un homme de Dieu, un pasteur, vous voulez que Dieu utilise votre bouche pour guérir les gens, pour délivrer, vous devez sanctifier votre bouche. Vous devez consacrer votre bouche. Voyez, la première chose dans la médecine, c'est désinfecter les instruments de chirurgie. C'est le premier travail. C'est désinfecter d'abord la salle où on fait la chirurgie, où on opère les gens, et puis désinfecter tous les ustensiles qui servent à l'opération, à la chirurgie, parce qu'on ne veut pas infecter la personne qui est malade. Et c'est la même chose avec Dieu. La première chose que Dieu veut faire dans la vie de son enfant, c'est désinfecter ta bouche avec le sang de Jésus. Lisez dans Ésaïe chapitre 6. Lorsque Ésaïe a vu la gloire de Dieu, lorsqu'il a vu Jésus-Christ sur son trône, qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Malheur à moi, un homme aux lèvres impures, mes yeux ont vu le roi. Donc la première chose, et quand Ésaïe a pris conscience de son impureté, de sa médiocrité, un ange est venu purifier sa langue. C'est la même chose. Nous devons purifier notre langue. Si vous voulez que Dieu vous utilise, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, si vous voulez marcher avec Dieu, purifiez votre bouche, votre langue. Que votre bouche devienne comme la bouche de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Jérémie. Si vous séparez ce qui est vil de ce qui est utile, vous reviendrez à votre poste. Ta bouche sera comme ma bouche, a dit l'Éternel. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux, mais c'est à eux de retourner vers toi. Donc tout dépend de nous. Prenons conscience que notre bouche doit être consacrée et sanctifiée. Et vous allez voir que toutes les paroles qui sortiront de votre bouche seront accompagnées d'une puissance, de l'onction de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, alors aujourd'hui, soir-là, ça, je voulais simplement vous rappeler cela et vous encourager à comprendre que c'est important, les paroles qui sortent de notre bouche. Nous ne devons plus dire n'importe quoi ou nous mêler à n'importe quelle causerie, faire des blagues malsaines. Ou même, il ne faut pas que des grossièretés sortent de notre bouche. Il faut que notre bouche soit une bouche consacrée. Et là, vous allez devenir un instrument de Dieu. Et là, Dieu va vous utiliser pour guérir les malades, pour même guérir ta propre vie. Dieu va utiliser votre bouche pour manifester sa gloire.
Et vous savez que la parole de Dieu est appelée l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Les paroles qui sortent de votre bouche. Les paroles, la parole est une arme. Appropriez-vous la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu. Déclarez, comme David, l'Éternel est mon verger, je ne manquerai de rien. Aucun fléau ne m'atteindra. Aucun malheur ne s'approchera de ma tente. Je marcherai sur le lionceau, sur l'aspic. Je ne serai pas atteint. Je réussirai. Je vivrai ma destinée. Voyez, confessez la parole de Dieu. Appropriez-vous la parole de Dieu. Et ne répondez pas aux insultes. Il ne faut pas que des insultes sortent de votre bouche. Si vous voulez que l'onction soit dans votre bouche, il ne faut pas que des insultes, des grossièretés, des méchancetés, la calomnie, la médisance, des ragots, des rumeurs, des paroles dénigrantes sortent de votre bouche. Sanctifiez votre bouche. L'apôtre Jacques dit, de la même bouche ne peut sortir l'eau amère et l'eau douce. Et c'est ce qui ne va pas aujourd'hui dans le milieu religieux. Vous voyez des gens religieux, je ne prends pas la bière, je ne prends pas un verre. Ne pas prendre la bière est une bonne chose. La bière n'est pas conseillée. Ce n'est pas bien pour la santé. Quand c'est pris à l'excès, bien sûr. Mais un verre de bière ne tue pas. Mais les gens religieux vous interdisent même de prendre un verre de bière. Mais Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Car ce qui sort de l'homme vient du cœur. Mais par contre, si vous avez été alcoolique, si vous avez un passé alcoolique, je vous conseille de ne même pas toucher un verre pour ne pas rechuter. Voyez, sanctifiez votre bouche. Sanctifiez-vous. Et vous allez vivre la gloire de Dieu. Je vous dis, j'ai composé un chant. Je suis auteur-compositeur. Maintenant, j'ai plus de 650 chants. Un non produit. Alors, j'ai composé ce chant, et je suis pas chanteur, hein. Je suis pas chanteur. La voix, c'est pas encore ça. Et la musique est un démo. Voilà. C'est pas vraiment une musique qui est encore définitive. Mais je voulais simplement partager avec vous ce chant, qui me rappelle le thème que j'ai écrit ce matin même. Et qui me rappelle le thème de la prédication. Suivez. Ce que je crains, voilà ce qui m'arrive. Jésus-Christ s'est dit, ne crains point, crois seulement. La peur, c'est le contraire de la foi. Crois seulement, ne crains point, fortifie-toi, chrétien, et tu vivras la victoire. Non, 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 l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien, l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien, je ne crains de rien, je ne crains de rien. Un pont, je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Sa houlette et son bâton, voilà mon réconfort. Je ne crains de rien, car il veille sur moi. Non, 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 je ne crains de rien. Non, 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 l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien, l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien, toute arme forgée contre moi sera brisé, je le sais. Ils viendront contre moi par un seul chemin. Ils fuiront par mille chemins. 10 000 tomberont à ma droite, 1000 à ma gauche. Je ne serai jamais atteint. La victoire est avec moi. Non, 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 l'Éternel est avec moi. Je ne crains de rien, l'Éternel est avec moi. Oh, je ne crains de rien.
Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1, verset 19. N'étais-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Fortifie-toi, je serai avec toi, comme je dis avec moi. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Tout lieu que foulera la plante et toi couiller, je vous le donne. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Fortifie-toi, prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles.